Là, depuis cet après-midi, devant le théâtre, ils sont des centaines de jeunes filles à l'attendre. Il faut dire que c'est un très très beau garçon de 21 ans qui a déjà quand même une longue carrière puisqu'il avait sorti son premier disque, c'était le 29 mars 2006. Déjà, Un instant de liberté, ça s'appelait. Et puis depuis, il a fait son chemin, il a vendu, on va dire, plus de 500 000 albums rien qu'en France. Il fait des concerts dans le monde entier. Et là, il nous a réservé la primeur ici, au théâtre du Casino Barrière. Il nous fait l'honneur d'être là ce soir. Il était content que vous soyez là aussi, Isabelle. Vous représentez beaucoup pour lui. C'est notre ami Amaury Vassili dans Mariage. Je vous demande de lui faire un triomphe absolu. Amaury Vassili. Io penso a te, ai giorni che potremmo vivere insieme noi, lontano da questa vita così povera. La plus belle voix de sa génération, Amaury Vassili, effectivement, vous pouvez vous lever. Quel triomphe. Amaury Vassili, moi j'ai vu tous tes spectacles, depuis toujours. Je t'ai vu récemment accompagner Gérard Lenormand sur scène, puisque tu lui donnes la réplique également sur son album, qui est un triomphe. Je t'ai vu aux côtés d'Hélène Ségara récemment à l'Alhambra, faire comme Perles et Voreille, c'est ça? Vive au Perlet, c'est un triomphe absolu. Et là, cet album vient de sortir. Enfin, vient de sortir, on en est déjà quand même à un peu plus de 200 000 exemplaires vendus. Exactement. C'est un succès, c'est un triomphe absolu. Je vous le recommande.
Et comment tout cela a commencé? Parce que tu es très très jeune, Amaury. Alors oui, en effet, j'ai... Tu es de la région, hein? Je veux. Tu te revendiques normand. Bien évidemment, j'ai grandi en Normandie, donc c'est bien légitime que je sois là aujourd'hui. Et donc, bah oui, en effet, moi j'ai tout juste 22 ans, enfin non, je vais plutôt sur mes 23 d'ailleurs. Ah déjà, tu es très vieux, oui. C'est ça. Effectivement, tu es très très vieux, 23 ans bientôt. Et j'ai commencé donc à l'âge de 9 ans dans un centre de comédie musicale près de Rouen, donc où je jouais le rôle de Gepetto. C'était des créations, voilà, donc il y avait Pinocchio qu'on mettait en scène pour un public, pour un jeune public. Et donc c'est ce qui m'a formé tout simplement, hein, qui m'a donné l'envie d'aller plus loin. Et alors je me suis laissé dire que tu concourais dans la région, tu faisais tous les concours, que tu remportais, souvent tu interprétais. Il y a une chanson qui t'a porté chance, c'est Savoir aimer de Florent Pagny. Bien évidemment. Et oui, tu chantais comme Florent Pagny, tu te faisais repérer. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une bonne étoile à un moment donné. Étoile Casting. Exactement, c'était Étoile Casting. Donc c'est un site internet qui proposait plusieurs castings, donc pour des acteurs, pour des chanteurs, etc. Et j'ai eu la chance en fait d'avoir un rendez-vous un jour avec Daniel Moine, célèbre producteur. Et ce monsieur m'a tout simplement aiguillé dans le métier, et depuis il est toujours à mes côtés, c'est mon manager. Voilà. Sur cette route. Exactement. Sur cette route, plus de 500 000 albums vendus déjà en France, déjà une belle carrière prometteuse, voilà, Cantero. Et puis alors, surtout, tu as un point commun avec notre Isabelle Aubray, puisque tous les deux, vous avez concouru au concours de l'Eurovision. Alors Isabelle a gagné, c'était le 18 mars 1962, précisément, avec 26 points. Et oui, c'était il y a 50 ans. On voit pas le temps passer. C'est dire, vous représentiez le Luxembourg à l'époque. Ah non, j'ai toujours... C'était déjà la France. Ah oui, oui. C'était la France alors. C'était la France. Et bien évidemment, Amaury Vassili représentait la France, c'était l'année dernière. Mais j'ai eu moins de chance. Beaucoup moins de chance. Faut dire qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué. À l'époque, il y avait... Je crois qu'il avait encore plus peur que moi. C'est vrai? J'ai jamais vu quelqu'un avoir autant de trac que... Enfin, ce que j'ai constaté à travers l'écran. Vraiment, j'ai l'impression que votre cœur était là. En effet, non, c'est surtout qu'en fait, quand on a un problème de son sur scène, il faut savoir gérer tout ça. Et donc, on est obligé de penser aux réglages, à tout ce que le public ne doit surtout pas voir. Alors, quand vous êtes arrivé le soir sur la scène de l'Eurovision, vous avez eu un problème technique, c'est ça? C'est-à-dire une oreillette n'a pas fonctionné. Exactement, moi j'étais pas le seul, hein. On a été plusieurs. Dans ce même cas, mais bon, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, et c'est vrai que forcément, s'il y a un regret à avoir, c'est ce petit problème qui fait que tout simplement on a la tête ailleurs. Et pourtant, Amaury Vassili, vous avez été regardé par plus de 100 millions de téléspectateurs. Et je sais qu'aujourd'hui, vous parcourez le monde entier. C'est pour ça que c'était un bonheur de vous avoir ici au théâtre du Casino Barrière ce soir. Parce que vous n'aviez jamais chanté dans ce prestigieux théâtre de la ville de Deauville. Et c'était bien de vous avoir. On va vous retrouver. Hein. J'espère bien. Bon, et puis là, on a une belle surprise. On a une autre surprise parce que vous savez que cette année... Il y a un film qui a triomphé, qui s'appelle Intouchable. Alors Intouchable, c'est bien évidemment, il y a un acteur qui a été récompensé brillamment au César récemment, qui s'appelle Omar Sy. Et Omar Sy, il est avec nous. Et oui, ce soir, il est avec nous pour nous faire plaisir. Lui qui représente maintenant 19 millions de spectateurs en salle au cinéma. Omar Sy, c'est bien sûr notre ami Yann Jamais. C'est à toi. Service après-vente des émissions, bonjour. Allô, service après-vente des émissions, bonjour. C'est Daniel Prévost. Salut tête de con. Alors, pas la peine de frimer avec Intouchable, hein. T'as vu The Artist? 5 Oscars à Hollywood. Pour un film muet.